Mesdames et messieurs la famille, comment nous y est? Il y a un grosin, mais vraiment, un grosin qui éclaté dans New York là, dans la communauté haïtienne. Il y a un citoyen ça que nous avons regardé sous écran, qui est Eddy Alexandre. Monsieur son haïtien, très connu dans la communauté haïtienne dans New York, qui dans le moment n'a pas parlé là, en bas code. Nous découvrions un document que le département de justice des États-Unis d'Amérique a publié. Il a expliqué, les amis, comment citoyen ça, à travers une série de manœuvres que le fait, une soi-disant société que le créait, solliciter plus de 59 millions de dollars d'investissement auprès de une centaine ou bien de plus d'une centaine, mesdames et messieurs, d'investisseurs individuels. Et là, comme ça, monsieur t'a détourné plus passé 14 millions de dollars, il déposé comme ça sous compte. Il a arrêté monsieur il y a quelques jours. Monsieur, dans prison, dans moment, n'a pas parlé là. Et bagalal comme ça. Positif. Pile palan, pile. Parce que vous êtes dans le docteur Aïssien de Fondi. Sauté là, puisque encore une fois, j'ai des choses doux là. Les amis, monsieur Sonne qui très, mais vraiment très connu dans le milieu, dans la communauté haïtienne. Restez connectés. Nous prenons le vin avec un détail pour sous-causer ça parce que nous gagnons document ça que le département de la justice des États-Unis d'Amérique a publié. N'a poté un détail pour nous parce que ça, li capable intéressant. La police nationale d'Haïti, il y a plus de détails sur l'opération qui a été menée hier. Côté gagnant, environ 5 ou 6 bandits qui ont fonctionné dans la gang 8 et l'homme n'a tombé. Il y a plusieurs autres qui ont blessé. Jodi à la, encore une fois, et selon information que nous gagnons, il y a une opération que la police a mené, il y a les semaines ça, la police nationale d'Haïti pas décidé bail vague. C'est dans le contexte ça, nous prenons le fort gars des vidéos ça. En vidéo, côté là, yo moutren comment gang 400 maroza, comment de toi qui a fonctionné dans gang ça, t'as essayé kidnapper ou bien détourner yon bus et kidnapper tout le monde qui est là-dedans. La police nationale d'Haïti intervenue. Mon cher, c'est bon pied nèg yo qui sauver m'a posé cette question comment nèg ça on fait pas moi. On va le faire une garde vidéo ça. Hein? Bon, on commence à garder cette vidéo ça et puis n'a venir avec l'autre information puisque gagne l'autre information, gagne commissaire gouvernement et Port-au-Prince par exemple qui la gagne mandat là derrière ancien ministre et Evans Liscouflet parce que monsieur dit que Evans a violé Timoun. Les amis, n'a venir avec un détail commentaire sous dossier ça, mais à présent on garde vidéo ça. Nous sommes n'était pas l'eau de tentative kidnapping ça que t'as fait hier. Hein? Et qui t'a fait hier, bah vrai? Un bus qui t'a sauté pour après pour aller Saint-Domingue, les gars tenté kidnapper. Heureusement la police nationale d'Haïti est intervenue à l'heure, mais finalement les gars pas arrivé kidnapper Mounio, pas arrivé détourner le bus là et ils ont été obligés de courir. On regarde les vidéos ça parce que vidéo a li sauté, li montrer comment ça t'est passé, les amis? Moi, je regarde la vidéo, je me saisis. Je dis nous pour ça, je me saisis plus. On allez, on regarde la vidéo, ça, les amis. Ok? Là, on a regardé. Nous allons regarder, les amis, comment monsieur yo. Comment la police nationale d'Haïti déjoué kidnapping. On regarde, voilà, les gars, yo a poulé devant bus là. Et puis à un moment donné, yo descend là, yo descend machine, yo et puis yo pointé sous chauffeur, yo dit tournez, hein, casse tête tournez. OK, when I go sous machine yo vite tenté et on prend yo a même cagoule la tête yo donc je dis à la nèg yo tellement à l'aise yo fait bagaille clair. Nèg yo tellement à l'aise je dis à la yo fait bagaille extrêmement éclair. Et après c'est une série de petits jeunes
on serait de Timoun. Hein? Et c'est pas des jeunes qui sont capables de camper devant la police nationale d'Haïti, vrai. Hein? Capon passé au pagé. Yo pe moui, j'en regarde là. Et ça, quoi, il y a un qui dit si la police nationale d'Haïti n'est pas responsabilité de tout le monde, il n'y a pas de paix, il y a 7, il y a des âmes, mais formation que policiers recevoir, n'est pas recevoir ce genre de formation. Ça, donc, la police nationale d'Haïti est capable de gommer avec eux. Là, on a regardé, il y a fait et chauffeur tourné, bon, chauffeur obligé, fait bac, oui, il y a bail. Et chauffeur et dicté là ça pour le faire on prend yo campé zama la main chauffeur obligé mesdames et messieurs et là yo prend direction basio avec machine là. Et c'est là mesdames et messieurs la police nationale d'Haïti était besoin embuscade la police nationale d'Haïti tiré sous yo et pour nèg yo là gen deux té des machines là qui tombé l'autre yo n'a bien gardé, il y a deux machines qui tombaient parce que la police nationale d'Haïti elle est tirée. Ça devant eux, pas même temps d'examen même. Yo allez. Moi m'a posé cette question comment la police nationale d'Haïti bon, peut-être si c'est espacio, c'est zone négio. Donc la police nationale d'Haïti pas vraiment et immédiatement ouais chauffeur à fond bac là son bagage tête charge. Ou t'as capable de dire tout. Monsieur comment on ti route qui si étroite on gobus comme ça pour un chauffeur rallon bac et Jean que le rallé là son bagage terrible les amis son bagage terrible pour un chauffeur et excellent notre travail ça que le faire son marche arrière qu'a fait là son marche arrière les amis son marche arrière ça veut dire les amis chauffeurs sont nèg qui extraordinaire dans conduit machine. Il y a plus le monde qui saisit qui dit mais comment un chauffeur capable faire marche arrière avec une telle facilité. Hein, en route étroite, en route qui très étroite, gagner des obstacles, mais chauffeur les amis, li avancer. Il avance. Et c'est comme ça, les amis. Et la police nationale d'Haïti a déjoué kidnapping ça, ou bien kidnapping, bon, m'a dit kidnapping ça, qui est à fait sous Mounzao, les amis, hier, qui était 12 mai 2022. En tout cas, bravo la police nationale d'Haïti. Ça montrait si que nous mobilisons. Ah ben, nap rivé quand même, croapé, vagabond sa yo, criminel sa yo, théoriste sa yo, qui vraiment empêché que nous vivons tant qu'on est aujourd'hui là, et qui fait que le monde entier garde nous très très mal les âmes. Faut que nous disons toujours dans ça qui grappe avec opération que la police nationale d'Haïti menait. La police nationale d'Haïti t'a publié un communiqué hier après-midi pour le débat à détail. Bon, matin, c'est pas hier, matin pour le débat détail de ça que l'était réalisé hier. La police nationale d'Haïti fait qu'on est que l'était mené une opération dans plusieurs localités, dans la commune Pétionville, parmi eux Diègue, Métivier, Doko et dans le cadre opération ça que t'a mené, ils ont arrivé à arrêter 6 individus et moun sa yo, c'est des moun qui a travail dans gang vite l'homme nan Mounsao c'est Val Saint Antoine et que en pile moun connaît sous nom empereur toutou gen Boussico Emmanuel Evans gen Lamou Johnny gen Peterson Benduette gen Bobo Bensley et puis gen Etienne Bebeto c'est yo la police nationale d'Haïti dit li arrêté gen 5 lotes qui mouri en babal et pendant yo t'a essayé tirer sous policier qui t'a mené opération n'a dit ben que bon Dieu recevra yo que elle l'a fait parce que des moun et comme ça nous pas cap dit à mieux non que elle l'a fait tout droit parce que c'est des moun qui a fait mal, c'est des moun qui prend un pays en otage, qui terroriser toute une population, qui fait jodi a la le monde entier ou gen droit pour ou gen pour là des moun dans pays étranger qui pensent nous tout haïtien nous se voler nous se kidnapper etc tellement moun za yo et font mauvaise publicité pour nous. Au cas où la police nationale d'Haïti fait qu'on est, yo saisi ZAM, yo saisi des voitures également que M. Sao était utilisé pour qu'il était capable de faire grimace, bon, pour
t'es capable de faire des ordres que yo t'as fait. Mesdames et messieurs, on a quitté le chapitre insécurité, on va parler du dossier Evans Liscouflé avant que nous tombions sous le dossier New York. Là. Il y a un commissaire gouvernement Port-au-Prince qui hier a publié un mandat. Hein, décerné au mandat contre Evans Liscouflé. Raison, c'est que il dit qu'il y a un commissaire gouvernement dit il a déposé un citoyen, un individu déposé plainte contre monsieur comme quoi le Timoun Evans Liscouflé était violé, il était qu'on fait une série de bagages, etc., etc. Evans Liscouflé pas déplacé, avocat dit commissaire pour le reporter et convocation pour lui pour l'autre date et puis dans même journée hein, jeudi commissaire gouvernement les amis et a décidé là le mandé pour immigration et empêcher citoyen ça n'a parlé de Evans Liscouflé quitter pays à soit par voie maritime par voie terrestre aérienne etc etc ok donc c'est ça comme c'est le gouvernement moi là même garé par exemple encore une fois nous on est même toujours très très hostile à Nexa surtout les affaires Nex justice ça bon elle me dit sur toi moi depuis quelque temps là me pas j'aime qu'on est Nexa au fond bagarre qui bon Nex justice ça me pas j'aime qu'on est que au fond bagarre qui bon hein on commissaire gouvernement pas gain droit prend plaisir à violer la loi comme ça chaque jour tout ton temps des scandales à fête le tel président est sous pouvoir commissaire gouvernement a plagué mandat de tel individu qui n'a opposition etc. Yo dit c'est persécution politique parce que commissaire gouvernement connaît il ça va entrer dans attribution ils sont juge seulement capable lancer mandat en dehors de la flagrance etc. Le prend même décision contre des moun yo dit et pour empêcher yo quitter pays a ou tendez c'est persécution politique c'est la dictature etc. etc. Tout ton temps des scandales ça yo a fait tout le temps des moun a dénoncé mais nèg yo depuis ou vle montrer comme si que yo existait yo vle faire ouais yo toujours a penser de décision brigandaï des décisions certaines fois qui kon gâté un dossier pénal c'est exemple dossier Jovenel Moïse commissaire gouvernement Port-au-Prince dans gâté dossier en laga et puis mes côté dossier ça là on citoyen qui jodi a la li majeur OK li dit que gon moun qui sont anciens ministres qui te kon violé l'élite timon de là ça t'est passé à Jodia gen plus passé 30 l'année gen plus passé 30 35 l'année probablement près de 40 ans OK citoyen le pote plainte moi m'pa justifier bêtise que on a été fait l'autre ancien ministre hein surtout leur décider pour toucher Timoun ou violer Timoun pas dans radot comme ça mais là moi m'a bay un point de vue juridique citoyen jodi a décidé pour plainte mais ou même en tant que commissaire gouvernement li pour plainte c'est pas ou pral instruire dossier c'est pas ou pral mener enquête d'ailleurs viol ça citoyen accusé l'autre là son crime déboutant d'être parler de crime selon la loi haïtienne obligatoirement ou obligé passer par un juge d'instruction. Bon, pour qu'ils ont obligé à faire vite d'être là, à plaguer mandat illégal de Mounan, à prendre mesure interdiction de départ illégal contre lui, etc. Pour qu'ils n'ont pas fait ça, la loi Mando. Saisi cabinet d'instruction pour qu'on juge d'instruction à l'amener à quelque chose. On a juste discussion, hein? L'IPRAL qu'on est-ce que l'IKA a mené enquête là, de la mesure où, ça fait longtemps que yo passé, est-ce que y a une prescription ou pas, etc. Le juge de discussion, c'est lui-même qui pral dit tout bagaille ça. Mais non, n'a pas pause, n'a gâté un série de dossiers que la justice a supposé tête frette réglée. Mais des fois, on me pose cette question, est-ce que c'est l'école qui montre un exao? Est-ce que c'est ça ou apprendre l'école que y a fait aujourd'hui? Mais en vérité, m'pas comprendre. Bon, bref, n'a pas quitté dossier ça, mais nouvelle là, c'est que commissaire gouvernement pour le président l'a gué mandat des anciens ministres Evans Liscouflé, que y a un citoyen accusé comme quoi l'été violé l'été Timoun, et puis commissaire a décidé tout pour le mettre interdiction de départ contre ancien ministre. Maintenant, dossier New York. Pas oublier, sous pourquoi abonner avec Unison, nous abonner. Nous étions environ 400 nouveaux abonnés pour ne pas à 400 000. Abonnez, comme ça, n'a pas arrivé plus loin ensemble.
Citoyen ça que n'a regardé sur écran le relais Eddy Alexandre. Eddy Alexandre ça c'est un haïtien très connu et dans New York. Communauté haïtienne là connaît monsieur. Monsieur très populaire dans la communauté. Grand pile d'amis, monsieur grand pile d'amis haïtiens dans New York. Ça fait grand pile que qui sautait dans le moment côté que n'a parlé là. N'a pas appelé nèg yo. Fait l'argent ou bien gain l'argent le bon. Mais c'est façon qu'on ou faire l'argent. Qu'a besoin l'argent mais pas voler, pas dans drogue, pas dans escroquer monde, pas dans faire escroquerie pour capable gain l'argent parce que demain surtout là vivre dans des pays qui a fonctionné, des pays côté a contrôlé. Des pays tant que États-Unis, la France, le Canada, la justice a privé sur quand même le ça ou pour l'aide devant la société. Qui ça passé monsieur? Gagné Damien Williams, Damien Williams qui c'est procureur et qui sont procureurs américains pour district sud de New York là, avec Michael Discol qui c'est directeur adjoint en charge et, du FBI de New York qui annoncé que yo levé scellé yon plainte. Qui était déposé contre Eddy Alexandre dans Manhattan. Qui ça a accusé monsieur? Tribunal a accusé monsieur, accusé Eddy Alexandre ça qui c'est soi-disant. Ouais, il a bien dit qui c'est soi-disant dirigeant ou bien responsable yon prétendu plateforme crypto-monnaie qui relé Emini FX. Bon moi même bail en français. Pas dans la pas l'anglais, pas l'anglais, pas l'anglais, en français. Yo accusé monsieur, ou bien yo a poursuivi monsieur, yo accusé monsieur, comme quoi monsieur t'a commettre des infractions de fraude sur les matières premières, fraude en ligne aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'il a dit dans plein temps, les amis? Yo fait qu'on est que Alexandre Eddy, monsieur, à travers plateforme en ligne que l'a créé, sollicité plus de 59 millions de dollars d'investissement auprès de une centaine d'investisseurs individuels qui trouvaient aux États-Unis d'Amérique et apparemment des gens qui trouvaient à l'étranger également. Monsieur, sollicité comme ça, monsieur fait moun yo comprendre. Monsieur fait une série de fausses déclarations en rapport avec plateforme ça. Quand il fait moun yo comprendre, si yo investi dans plateforme ça, ok? Dans environ 6 mois, par exemple, il a fait 100%, il a pas fait un bénéfice pratiquement 100% dans comme qu'on dépense. Ça veut dire si on dépense $100 après 6 mois, il a fait $100 en plus. Selon ça que monsieur t'a dit mon yo, les amis, avec plateforme ça l'ont investi ou a fait un bénéfice qui capable aller de 5 à 9% chaque jour. Est-ce que vous bien entendu? Ça veut dire, monsieur fait moun yo comprendre, si on investit $100, chaque jour sous $100, il y a fait entre $5 à $9 en plus. Ok? Monsieur fourré bagay sa dans tête moun yo. Moun yo qui a cherché côté pour investir là, il dit, ah ben ça, c'est une belle opportunité. Ah ben, t'es m'lagé nous là. Et c'est comme ça moun yo accepter entrer dans jouet monsieur. Monsieur incite Mounio et Mounio entre dans jouet là et Mounio investit plus de 59 millions de dollars mesdames et messieurs parce que promesse monsieur fait yo promesse énorme et Mounio croit que y a investi et en retour yo pral bénéficier quelque chose. En réalité, selon ça, la justice américaine fait qu'on est, selon ça, FBI fait qu'on est, technologie, monsieur, a, ou bien ça, monsieur, a dit, mounio, c'est pas un bagage qui existait. Parce que, une fois que monsieur prend l'argent, monsieur pas
monsieur dit la prend l'argent mon investi a la prend la va réinvestir mais en réalité selon ça FBI fait qu'on est une fois monsieur prend l'argent ça monsieur pas investi l'argent vrai les amis au contraire qui ça monsieur fait une fois monsieur prend l'argent mon investi l'argent monsieur gain accès à l'argent ça monsieur prend l'argent le volet on partit là-dedans et puis li déposer sous compte personnel li pour le faire qui ça pour le capable payer tête li en série de articles de luxe. Est-ce que nous bien attendez pour le capable payer tête li en série de luxe, acheter belle rare, acheter machine, acheter ceci, acheter cela. Selon sa directeur adjoint en charge FBI l'a fait connait, n'a parlé de Michael Driscoll. Monsieur Alexandre sollicité des millions de dollars. Les garanties, il y a rentré, il y a fond bénéfice de 5% jusqu'à 9% chaque jour. Il y a plateforme NIA et Mini FX, comme ça. Et, mesdames et messieurs, comme Mounio, Jacques Mso dit nous là, et l'imapli, hein, c'est l'imapli, c'est ça qu'on a l'impression que je répète un bagage que je me suis dit tout à l'heure. Comme moun sa yo même, yo, a cherché l'argent, etc. Moun yo a cherché leur investir l'argent, il faut qu'on fasse bénéfice. Moun yo, en va y monsieur, y a dépensé. Et Alexandre, lui-même, la prend l'argent sa yo pour le capable de faire l'autre bagage avec lui. Par exemple, selon ça, la justice américaine fait qu'on est, ce dis-moi septembre 2021, pour arriver mai 2022, Alexandre, qui exploitait la plateforme ça qu'il a créé, côté, bon, à l'aide pour laquelle il était réclamé 59 millions de dollars que m'a parlé là, mais monsieur, mesdames et messieurs, t'as détourné plus de 14 millions de dollars hein, comme ça, li déposé yo sous compte li. Et li gen l'autre dépense que le fait, li acheté BMW, par exemple, yo dit l'acheton BMW pour plus passer 150 000 dollars américains, et te dépensé l'autre cob pour un Mercedes-Benz que li était acheté. Jodi a la, selon document sa qui devant nous là, monsieur li nan prison. Monsieur li nan prison et monsieur capable passer jusqu'à 20 ans nan prison si toutefois yon tribunal t'a décidé condamner monsieur pour ça que yon reproche monsieur. Et on a bagay que yon avancé dans document, FBI avancé dans document, c'est que pendant toute transaction ça a fait, monsieur a fait fausse déclaration, monsieur a essayé convaincre Mounio. Conseil de information que monsieur était supposé bay Mounio concernant entreprise ça, business ça, li pa jam bay information ça. Donc monsieur bien prend Mounio yo fourré konon bagay que ou pas connait et puis c'est l'argent que t'a vidé sous monsieur et monsieur prend l'argent ça pour faire l'autre bagay. Pour raison ça monsieur en prison et FBI félicite tête li parce que yo di y a continué goumen pour que yo mette en bas code toute fraudeur, tout nèg qui pensait que capable et escroquer des moun qui a vivent aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que monsieur pral condamné? Nous pas connaît, mais la réalité c'est que jodi a la citoyen ça li en prison et li risque prend jusqu'à 20 ans d'emprisonnement pour travail ça hein pour montage ça que le fait pour être capable prendre l'argent ça sous moun yo. OK, et c'est comme ça grand pile haïtien qui ont mis monsieur qui nan tête chaud jodi a la k'ap fait tête chaud parce que selon eux même puisque tes amis monsieur il y a posé tête question est-ce que yo même tout yo pa pral nan gros problème avec FBI nan semaine qui pral vide là. Encore une fois, morale histoire c'est que fais l'argent dans de très très bonnes conditions. Je vous aime. À bientôt les amis pour l'autre vidéo. Je dis à cette commune tabac qui fait 20 ans.
C'était jour lundi 13 mai 2002, gouvernement qui était dans la tête du président Jean-Bertrand Aristide, qui prend un décret pour mettre la commune tabac à un nouveau commune. Chapeau bas pour le président Aristide. Depuis date ça, en pile j'ai fait pour construire toute grosse infrastructure de base pour mener tabac sur le développement. Tant que construction boulevard 15 octobre, reconstruction pont quoi d'émission, construction pont tabac qui menait Carrefour Manassa, à plusieurs tronçons routes secondaires qui donc route interne. L'État central mettait d'accord avec l'État communal tabac pour installer plusieurs annexes, institutions publiques dans la commune tabac, tant que ONI, service immigration, OFATMA, BGI, DINEPA, etc. Aéroport international Toussaint-Louverture, c'est plus gros infrastructure publique l'État possède dans la commune tabac. L'État haïtien construit deux gros lycées nationaux dans la commune, lycée Jean-Marie Vincent et lycée Guy Malari. Tant que tout, il y a plusieurs écoles nationales dans la commune. Il y a deux gros universités privées qui établissent dans la commune. L'université de la Fondation du Dr Jean-Bertrand Aristide, UNIFA, et l'université UNICA. Sans compter le ministère de l'Agriculture, la faculté de l'agronomie et la médecine vétérinaire qui est déjà établi dans le tabac. Puis, la mission diplomatique étrangère qui vient dans le pays prend place tout dans la commune tabac. Nous avons parlé de l'ambassade américaine. En plus, la maison commence à exister. En plus, l'infrastructure sanitaire privée établie basée dans la commune tabac. L'hôpital Saint-Luc, Médecins sans frontières. Dans un temps qui n'est pas trop loin, il y a l'hôpital de l'Université du Dr Jean-Bertrand Aristide en dans le campus UNIFA dans tabac. Depuis la première année, reconnaissance tabac comme commune, transformation a commencé à faire. Petit par petit, le tabac est venu dans une plus grosse zone résidentielle et commerciale dans la région métropolitaine. Ça fait mal, je dis. J'en tout côté dans la région capitale là, à Sibyl, il y a un phénomène d'insécurité sans pareil qui a développé, qui dépassait les limites et qui mettait l'État pays sur la défensive. Économie communément baissée en pile. Citoyens et citoyennes, par contre, qui portent pour frapper encore. Dans le dernier moment, en pile monde la population civile a perdu la vie. À quand pilote obligé de déplacer qui te caillou tap vive, ça allait trop loin. Excusez-moi. Nous-mêmes, l'administration communale là, n'a présenté sympathie nous, by par un monde qui tombait bêtement, lâchement yo. L'administration communale là, obligé de prendre ses responsabilités, en pile dans le monde qui déplace, surtout ça qui te prend refuge dans la place publique dans le tabac. Yon notre bon administration communale là, préparé une population, manger populaire, pour tout invité, et puis pour nous qui est obligé de quitter caillou pour venir vivre sur la place publique là. N'a dit tout le monde qui a vivre tabac, la paix vient pour tourner. Qui donc, la paix pour tourner avec détermination la police, la mairie, pour tout citoyen et citoyenne qui a recommencé à vivre sans faire sauter. Et puis recommencer à arrêter l'activité économique, l'activité religieuse, culturelle et scolaire et sportive. Bonne fête tabac. Bonne fête tout le monde qui a vécu dans le tabac. Sécurité, la paix, l'amour, travail. C'est ça que nous souhaitons pour tout petit tabac, jour vendredi 13 mai 2022, jour 20e anniversaire commun tabac. Thank you.